Ils sont dans les starting blocks, Daniel Morin. Ouh, Stéphane, vous êtes le Nelson Montfort du matin. Quelle expression. Ce soir, les candidats à la primaire de la droite et du centre, on en a parlé, vont s'affronter à l'occasion du premier débat télé. Ils sont sept, comme les sept mercenaires, les sept merveilles du monde. Ou les sept nains. Nathalie Kosciusko-Morizet, alias la rouquine maléfique. Jean-François Copé, alias la fouine. François Fillon, alias gros déconneur. Bruno Le Maire, alias l'épouvantail. Jean-Frédéric Poisson, alias qui ça ? Et enfin, les deux favoris, Alain Juppé, le bonze, et Nicolas Sarkozy, Duracell. Comment se prépare-t-il pour ce soir ? Voyons d'un peu plus près l'entraînement des deux favoris. Bon, à la fois tranchant, hein. Imagine, je suis Sarkozy et je t'attaque. Oui. Bon alors, il faut que tu répondes direct, un truc cinglant, un truc qui marque les esprits des Français. Imagine, je te balance, Alain Juppé, tu n'es qu'un vieux schnock. Qu'est-ce que tu réponds, Alain ? Ah, vieux schnock. Eh bien, je dis d'abord, c'est celui qui dit qu'il y est. Ça va comme ça ? Non, pas assez cinglant, il faut faire mal, Alain, faut y aller sévère, allez, recommence. Alain Juppé, tu n'es qu'un vieux schnock. Vieux schnock. Eh bien, le vieux schnock, il te pisse à l'arrêt du con, je t'emmerde, collabo, je vais te péter les dents à coups de tabouret si tu parles encore de moi, nabo. Ça va comme ça ? Un poil agressif, mais c'est beaucoup mieux. Hein, là, les Français, ils vont retenir. Connard, fumier, ordure, pompe à merde. Calme-toi, là, calme-toi. Garde-en pour ce soir. Petit tour dans le clan Sarkozy à présent. Bon, Nicolas, tu es en retard. Tu es en retard dans les sondages. Renaud Dely en a parlé sur Inter. Je vais te lancer sur différents sujets. Tu réponds le plus vite possible sans réfléchir. Allez-y, je suis chaud. Monsieur Sarkozy, comment comptez-vous relancer l'économie ? C'est simple. Interdiction de du voile et de la burqa partout en France. Rien à voir avec la question, Nicolas. Concentre-toi. Monsieur Sarkozy, comptez-vous investir dans le combat contre le réchauffement climatique ? Si oui, comment ? Je vais le faire. Première mesure, interdiction du voile et de la burqa partout en France. Mais merde, tu le fais exprès ! Allez, celle-là, c'est cadeau. Monsieur Sarkozy, quelle sera votre première mesure pour un retour à une France plus laïque ? Oh bah là, suppression de la TVA. Mais qu'il est con ! Bon bah à part ça, rien, hein, ça c'est de l'entraînement, c'est tout. Hein. Ah, notez que lui, il serait évidemment l'entraîneur parfait. Celui qu'on surnomme le Raymond Domenech de l'actu, le Didier Deschamps de l'info, le Philippe Lucas de l'interview, Patrick Giroud-Cohen, qui à 8h20 recevra Bruno Retailleau pour parler assouplissement et magie noire.